بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc je vais aborder un sujet qui est très difficile mais qui intéresse beaucoup de monde. Nous avons tous des parents, nous avons tous des gens proches qu'on aime beaucoup. Et dans la vie, il y a des circonstances difficiles. On peut avoir des accidents ou voir des proches à la fin de la vie. Il y a des décisions très difficiles à prendre. Je vais essayer d'aborder ce sujet d'un angle scientifique pur, médical, et puis d'un angle métaphysique, philosophique. Et puis d'un angle humain, parce que aussi c'est un aspect humain. Pleurer, c'est pas scientifique, pleurer, c'est humain. Et puis nous terminerons par l'aspect religieux qui va apporter beaucoup d'éclaircissement aux autres aspects, comme vous allez le voir. C'est un sujet qui est difficile, qui est long, et donc je vais être rapide dans mon exposé pour deux raisons. La première raison, c'est que pour ne pas vous ennuyer. Et la deuxième raison, c'est pour laisser beaucoup plus de temps au débat, qui sera, inchallah, très intéressant. Donc je vais commencer par définir ce que c'est que la réanimation pour ceux qui ne le savent pas. Donc c'est une spécialité médicale qui ne traite que les cas graves qui engagent le pronostic vital. C'est l'ultime combat. La réanimation, c'est l'ultime combat entre la science et la mort. Les bases de traitement de la réanimation, c'est la compréhension de la physiologie et de la physiopathologie. La physiologie, c'est le fonctionnement normal de l'organisme. La physiopathologie, c'est la compréhension des causes de la maladie. Donc, si on comprend les causes de la maladie, on va pouvoir la traiter. Ce n'est pas toujours évident. Donc la particularité des services de réanimation, c'est la fréquence des décès. Comme on ne traite que les cas graves, la fréquence des décès est très supérieure aux autres services. Suite donc au développement technique de la réanimation, des statistiques françaises ont montré qu'en 1960, 70% des Français mouraient chez eux. Et que 30% seulement mouraient en clinique. 30 ans plus tard, en 1990, les Français meurent à 70% en clinique. Donc il y a une surmédicalisation de la fin de vie. Donc même les gens qui restaient chez eux, c'est-à-dire en 1960, pour mourir, parce qu'on se disait qu'il n'y avait plus rien à faire, maintenant on essaye, on ramène des gens de 90 ans, on ramène des gens de 95 ans, il n'y a pas de limite. J'ai opéré en France, nous avons opéré une dame de 110 ans pour fracture du col. Donc on voit que avec l'évolution de la technique, des techniques de réanimation, la demande de médicalisation, de fin de vie a augmenté. C'est ce qui se passe au Maroc aussi. Donc cette surmédicalisation de la fin de vie a posé un problème. Que faire devant un patient incurable ? C'est-à-dire le malade a une maladie qu'on ne peut pas traiter, un cancer généralisé, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc l'idée de l'euthanasie est apparue. Alors qu'est-ce que c'est que l'euthanasie? L'euthanasie, c'est provoquer la mort pour abréger la souffrance d'un malade incurable. Donc c'est une façon de dire mieux mourir. Donc c'est provoquer la mort pour abréger la souffrance et on espère comme ça mieux mourir. Il y a deux types d'euthanasie. Il y a l'euthanasie active qui consiste à une injection directe d'un produit qui tue, létal. On appelle ça un produit létal. Ça, c'est l'euthanasie active, c'est-à-dire injection directe du produit qui tue. L'euthanasie passive, c'est l'arrêt de l'acharnement thérapeutique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'acharnement thérapeutique? C'est important à savoir. C'est une obstination déraisonnable
à poursuivre un traitement lourd sans bénéfice pour le patient. Donc il faut retenir ces deux définitions pour pouvoir comprendre la suite. L'euthanasie, c'est l'espérance de mieux mourir, c'est-à-dire mourir sans souffrance. C'est ce qu'on pense. C'est pour ça que j'ai mis mourir sans, mieux mourir, entre guillemets, et l'acharnement thérapeutique, qui est une obstination déraisonnable à poursuivre un traitement lourd sans bénéfice. Évident. Alors voici donc un malade, un vieux malade moribond qui est en train de mourir, et bien sûr il y a des factures, je ne parlerai pas de l'aspect financier, c'est pas mon rôle, mais il existe. Donc l'euthanasie se propose d'abréger la souffrance des malades. En tout cas l'entourage, c'est ce qu'espère l'entourage pour le patient. Alors maintenant la question qui se pose, est-ce que c'est vraiment mieux mourir ? Donc nous sommes contraints de définir ce que c'est que mourir avant de parler de mieux mourir. Qu'est-ce que c'est que mourir ? Nous allons aborder, comme j'ai dit tout à l'heure, la mort de plusieurs points de vue. Un point de vue scientifique, un aspect humain qui est plus complexe, un aspect métaphysique et un aspect religieux qui est encore beaucoup plus complexe. L'aspect scientifique de la mort. À la fin du XXe siècle, on a fait une grande découverte qui s'appelle les radicaux libres. Nos amis biochimistes connaissent de quoi on parle. Donc ça, c'est un bébé qui vient de naître. Il respire la première bouffée d'oxygène et il vit avec. Tout le monde sait ça, c'est évident. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que cette bouffée, première bouffée d'oxygène, nous fait vivre, mais elle nous fait vieillir. Comment ça se passe ? Si elle nous fait vieillir, ça veut dire que c'est le compte à rebours qui est déclenché vers la mort. Donc à la naissance, on vit, mais on commence à mourir par un phénomène scientifique qui s'appelle les radicaux libres. Bon, je ne vais pas m'attarder là, c'est technique. Ça, c'est une cellule que vous voyez en face. Ce qu'il y a en rouge, c'est l'oxygène qu'on respire. Il va vers les mitochondries. Les mitochondries reçoivent les aliments qu'on mange. Et ces aliments qu'on mange vont être oxydés par l'oxygène qu'on respire pour nous donner de l'énergie pour vivre. Mais le problème, c'est qu'il y a des déchets. Le déchet, c'est quoi ? C'est O moins moins. L'oxygène avec deux électrons libres. Cet oxygène avec deux électrons libres s'appelle les radicaux libres. Ce déchet va attaquer les cellules. Et nos cellules commencent à vieillir. Et c'est pour ça qu'à la fin, vous voyez que la peau, elle est ride sur le visage. C'est parce que la cellule a vieilli, elle a perdu son élasticité. Et donc, l'évolution, le compte à rebours vers la mort. Donc, la mort peut être décrite comme un phénomène évoluant sur deux phases, comme un sablier. Au lieu qu'il y ait du sable à l'intérieur du sablier, c'est l'homme qui est à l'intérieur du sablier. Et comme vous le voyez sur l'image, il est en train de se consumer, on ne le voit pas, mais scientifiquement, ceux qui connaissent les radicaux libres savent très bien qu'on est en train de se consumer comme une bougie. Donc nous pouvons dire que la mort évolue en deux phases, une phase discrète que ne connaissent que les savants, elle correspond au vieillissement tissulaire par la respiration, le phénomène des radicaux libres, et une phase que tout le monde connaît, la phase bruyante, il est mort et l'événement que vous connaissez tous. Qu'est-ce qu'on va retenir de ceci ? Vieillir reste le seul moyen pour vivre longtemps. Il n'y a pas un autre moyen. On ne peut pas rester jeune. Si vous voulez vivre 200 ans, il va falloir accepter votre état. Alors, on va essayer de définir ce que c'est que la mort scientifiquement et scientifiquement de façon pure. Est-ce qu'on peut définir la mort par un arrêt cardiaque ? Un certain temps, on disait que l'arrêt cardiaque, c'est la mort. Avec l'évolution, voilà, je vous montre ici l'activité cardiaque en noir. Ça, c'est quelqu'un qui est vivant. Lorsque le cœur s'arrête, il y a un tracé plat. Aucune activité cardiaque. Alors, avec l'évolution des techniques de réanimation, on a récupéré des arrêts cardiaques. Plusieurs types d'arrêts cardiaques peuvent être récupérés. Donc, la mort ne peut pas être définie par un arrêt cardiaque. Alors, la science a évolué un petit peu et puis on a commencé à enregistrer l'activité cérébrale. Voici l'enregistrement de l'activité cérébrale qui s'appelle l'électroencéphalogramme. Voici le tracé d'un électroencéphalogramme éveillé en haut et pendant le sommeil en bas.
Voici en haut l'enregistrement d'un électroencéphalogramme. Vous voyez qu'il y a une activité. Lorsqu'il y a une mort cérébrale, tous les tracés sont plats. Donc on a défini, on s'est dit, tiens, on a trouvé la solution, on va définir la mort scientifiquement par un arrêt de l'activité cérébrale. Ça s'appelle mort cérébrale. Vous allez voir la limite tout à l'heure. Alors, on va définir de façon médico-légale ce que c'est que la mort cérébrale. Alors, il faudrait qu'il y ait plusieurs choses pour parler de mort cérébrale. La première chose qui doit exister, c'est un coma profond et aréactif. Deuxième chose, il ne faut pas qu'il y ait de respiration spontanée. C'est-à-dire que le malade ne peut pas respirer tout seul. Il respire par une machine. Troisième chose, il y a une disparition de tous les réflexes du tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est un élément du cerveau. Je ne vais pas rentrer, c'est un détail technique que les neurones connaissent. Et il faut, à la fin, deux électroencéphalogrammes, deux enregistrements plats, à au moins 4 heures d'intervalle. C'est-à-dire, on fait un enregistrement, on le trouve plat, on attend 4 heures, et on fait un autre enregistrement, et on trouve plat. Et à ce moment-là, on pourra parler de mort cérébrale. Je vais vous citer rapidement quelles sont les causes des morts cérébrales. Alors, 60% des causes, c'est des accidents vasculaires cérébraux. C'est quoi? C'est soit des gens qui sont nés avec des vaisseaux mal formés et qui éclatent vers l'âge de 30-40 ans, soit des éclatements par hypertension maligne. Il y a des gens qui sont hypertendus, qui mangent du sel et qui sont maltraités, donc ils font des pics tensionnels et il y a une rupture comme ce qui se passe dans la plomberie que les plombiers connaissent. 25% des autres cas, c'est des traumatismes, les accidents de la voie publique. Voici les causes, quelques causes. Alors, l'arbre décisionnel, il faut décider quand est-ce qu'on va dire il est mort, mort entre guillemets, c'est une mort cérébrale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses pour nous réanimateurs, il faut réchauffer le malade, parce qu'on ne peut pas parler de mort cérébrale si le malade est en hypothermie. Donc, il faut que la température du malade soit supérieure à 35 degrés. Il faut stabiliser sa tension artérielle et son cœur pour prendre la décision d'annoncer la mort cérébrale. Il faut un examen clinique, il faut qu'on examine le malade, il faut vérifier qu'il y a un coma profond, il faut vérifier qu'il n'existe pas les réflexes du tronc cérébral n'existent pas, et il faut que le malade ne respire pas tout seul. Ça, c'est l'examen clinique. Troisième étape, nous allons procéder à un examen paraclinique, où nous allons enregistrer l'activité cérébrale, deux enregistrements à au moins 4 heures d'intervalle, sinon on fait un angioscanner. Quand ceci existe, on fait un procès verbal du constat de la mort. Ce constat est établi par deux médecins non impliqués dans le prélèvement ou la greffe d'organes, que pour les raisons que vous devinez. À la suite de ce constat de mort, entre guillemets, les Pays-Bas ont légalisé l'euthanasie depuis 1984, puis la Belgique en 2002. Donc ces deux pays ont commencé par légaliser l'euthanasie, mais bien sûr il va falloir faire l'arbre décisionnel, c'est-à-dire que les médecins font le constat et donnent un procès verbal. Alors le problème c'est quoi? Le problème c'est du point de vue éthique. Ce constat de mort établi par les deux médecins est fait alors que le patient est encore rose. Il n'a pas la pâleur cadavérique. Il est encore rose, son cœur bat. C'est vrai qu'il est en mort cérébrale. Son cœur bat toujours. Les autres organes sont encore fonctionnels. Ce n'est pas un cadavre. Hein? Quand on a le cœur qui bat, quand on est rose, quand on a une tension artérielle et les autres organes fonctionnent, c'est vrai qu'il est en mort cérébrale. Mais on fait quand même, aux Pays-Bas et en Belgique, on établit un certificat de décès. Donc, sur le plan éthique, il y a un problème et ils le reconnaissent. Alors, puisque ce n'est pas un cadavre, alors quand on est en mort cérébrale, on n'est pas en état cadavérique. La question qui se pose, quand une personne humaine devient-elle un cadavre? Voici la première ambiguïté à laquelle la science reste perplexe. Est-ce qu'on doit donner le certificat de décès? On ne doit pas le donner, on va euthanasier ou pas. Donc la première question, c'est quand est-ce qu'une personne est un cadavre? Et particulièrement, lorsque on a une mort cérébrale, est-ce qu'on est pour autant un cadavre? Il me vient à l'esprit tout de suite un jeune homme qui a fait un accident de la voie publique que j'ai reçu en réanimation, 20 ans, fils unique,
très très belle, très très bel homme, un corps d'athlète. Il a fait un accident public, de la voie publique, et il a eu une mort cérébrale. Et croyez-moi, quand vous le voyez, il a un corps, je ne sais pas comment vous le décrire, c'est très difficile de dire c'est un cadavre, parce que c'est vraiment un malheur. Donc, puisqu'on ne sait pas, on ne sait même pas par la science quand est-ce qu'on va dire les limites de la mort, donc c'est pour ça que je dis là, la frontière entre la vie et la mort est très vague. Pourtant, la définition d'une frontière raisonnablement nette des bornes de la vie humaine est une nécessité sociale, éthique et juridique. Alors la problématique de l'euthanasie persiste pour d'autres pays, en dehors des Pays-Bas et de la Belgique et d'autres pays qui l'ont suivi. Alors la question qui se pose aussi, le patient qui est incurable, hein, c'est quelqu'un qui a une maladie qu'on ne peut pas traiter. Est-ce qu'il a droit à la vie? Et auquel cas on va faire un acharnement thérapeutique? Ou est-ce qu'il a droit à la mort? Auquel cas on va l'euthanasie. Retenez ces questions, tout à l'heure on parlera de ça dans le débat. Alors, autre chose, autre ambiguïté, le but de l'euthanasie, on a dit, c'est éliminer la souffrance. Tout le monde l'a compris. Qu'est-ce que c'est que la souffrance? Je ne sais pas si tout le monde le sait. La souffrance, c'est un état de douleur forte et permanente. Cette douleur peut être physique, par exemple un accident de la voie publique, un traumatisme crânien ou une fracture, mais elle peut être aussi psychique, les psychoses et les névroses, la schizophrénie par exemple. Les gens souffrent aussi, mais d'une autre manière. La première souffrance est une souffrance physique. Et la souffrance psychiatrique est une souffrance abstraite. Elle n'est pas concrète, elle n'est pas matérielle. Donc retenez qu'il y a deux types de souffrances. Une souffrance physique, hein, matérielle, et une souffrance psychique, ou la disons, immatérielle. Alors maintenant, comment on va quantifier la douleur? Comment on va dire que ce malade a très mal, hein? Comment on va dire que ce malade a peu mal, ou il n'a pas mal, ou il a moyennement mal? Bon, il y a deux types de moyens pour quantifier la douleur. Il y a le moyen subjectif, c'est les doléances du malade. C'est le malade qui va vous dire, oh là là, j'ai très mal, ou alors j'ai pas mal du tout, ou alors c'est supportable. Mais le problème, c'est qu'il y a deux inconvénients lorsqu'il s'agit de subjectif. D'ailleurs, tout ce qui est subjectif a des problèmes. Et la science évite le subjectif. Nous voulons, en science et en médecine, nous voulons être rationnels, objectifs. Donc les deux inconvénients, le premier inconvénient, c'est l'interférence de la personnalité du patient. Si vous prenez la même douleur, je prends par exemple l'accouchement. Il y a des femmes qui accouchent en silence et il y a d'autres qui s'arrachent les cheveux. Et pourtant, c'est le même accouchement. Donc il y a une intervention de la personnalité. Il y a des gens, il y a la religion qui intervient, il y a des gens qui sont patients et la personnalité intervient. Donc c'est subjectif. Lorsque le malade ne parle pas, soit il est dans le coma, soit qu'il est anesthésié. Comment on va savoir, puisqu'il ne parle pas, comment on va savoir s'il a mal ou il n'a pas mal? Donc les signes subjectifs, on ne peut pas compter dessus. Maintenant, il y a des moyens objectifs qui sont scientifiques. Et vous allez voir que même la science, elle a des problèmes. Alors, on va suivre l'intensité de la douleur par la variation de la fréquence cardiaque et de la... Donc, nous sommes arrivés à l'étape que, pendant l'agonie, la douleur ressemble à la douleur psychiatrique. Hein, les malades qui sont des psychopathes, qui sont schizophrènes, ils ne vont pas vous dire mal, ils n'arrêtent pas de crier, mais ils souffrent d'une manière immatérielle, d'une manière qui n'est pas... concrète. Donc c'est spirituel. Conclusion. Pendant l'agonie, la science est incapable de donner des arguments objectifs de la douleur. L'aspect religieux, vous allez le voir, va éclaircir ce problème. Alors il y a un débat légal aussi pour les juristes, il y a des juristes et malheureusement, je ne sais pas s'il y en a ou pas, en tout cas on doit aborder le problème sur le côté juridique. Pour l'euthanasie, ce qui est légal, et qui ne fait pas objet du débat, c'est le refus de l'acharnement thérapeutique. Toutes les familles qui ont leurs parents et qui ne veulent pas l'emmener en réanimation et qui ne veulent pas s'acharner, ils ont le droit de le faire. Et l'analgésie terminale, c'est-à-dire on injecte des morphiniques pour que, entre guillemets, les gens
pour la famille, ça rassure de savoir est-ce qu'il n'a pas souffert. Donc on dit oui, oui, on a injecté des morphiniques, il n'a pas souffert. Je viens de vous montrer que la douleur n'a pas de rapport avec la pharmacologie, n'a pas de rapport avec les morphiniques. Ce n'est pas une douleur physique. D'ailleurs, ce qui se passe, comme la tension artérielle est basse et comme la fréquence cardiaque est basse, quand on injecte des morphiniques, ça devient une forme d'euthanasie, il meurt. Parce que les morphiniques font chuter la tension artérielle. Alors, ce qui reste illégal, par contre, et qui fait objet de débat, c'est la collaboration directe, euthanasie ou indirecte, suicide assisté. Il y a dans certains pays, on donne aux malades le produit qui tue et on lui dit, tiens, tu vas t'injecter ça toi-même, comme ça on va dire que c'est toi qui t'es tué et c'est pas moi. Ça, c'est une collaboration indirecte et qui est illégale. Alors, pourquoi on parle de légal ou n'est pas légal? C'est pas pour protéger le malade qui est en train de mourir. De toute façon, il va mourir légalement ou illégalement, on meurt. Le problème, c'est de protéger celui qui aide la personne à mourir. Donc, plutôt que le droit d'un patient à mourir, il s'agit d'un droit d'une tierce personne à être juridiquement protégé. Alors, je vais vous citer quelques cas cliniques pour vous mettre un peu dans le bain. J'ai hospitalisé en réanimation une femme de 86 ans, victime d'un accident vasculaire cérébral hémorragique suite à une hypertension maligne. C'est-à-dire que cette femme est suivie pour une hypertension, elle n'a pas pris son traitement, elle a mangé du sel, elle a fait 24 ou 28 de tension et le vaisseau n'a pas supporté la pression et il a éclaté dans le cerveau. De toute façon, elle a 86 ans. Les dégâts cérébraux irréversibles. J'ai annoncé donc les dégâts cérébraux irréversibles à ses deux fils. Ces deux fils sont des intellectuels, l'un est journaliste et l'autre professeur à l'ISCAE. Donc je leur ai annoncé que les dégâts causés par cette rupture vasculaire sont irréversibles. Alors le journaliste a souhaité l'euthanasie pour sa maman, pour réduire la souffrance. Il m'a demandé de débrancher la maman du respirateur. De toute façon, je n'ai pas le droit d'enlever le respirateur parce que je vais faire l'euthanasie de façon indirecte. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est illégal. Alors l'autre, le professeur de l'ISCAE, l'enseignant, préfère payer la facture que d'être poursuivi toute sa vie par le cauchemar d'avoir provoqué la mort de sa mère. Car pour lui, écoutez bien, de l'euthanasie à l'éthanasie, il n'y a que quelques lettres d'indifférence. Alors vous pouvez réfléchir et me dire qui a raison. Regardez ce bébé, il est né de façon prématurée et son histoire est vraiment impressionnante. Ce bébé est né en Italie d'une jeune maman en état de mort encéphalique, en état de mort cérébrale. Et pourquoi ? Elle a fait un accident vasculaire cérébral hémorragique par rupture d'anévrisme sur grossesse de 6 mois. C'est-à-dire qu'elle était enceinte de 6 mois et elle avait une malformation. C'est-à-dire qu'elle est née avec un vaisseau malade dans la tête et généralement, ça n'apparaît qu'entre 20 et 30 ans, là, 25 et 35 ans. Donc elle était enceinte et puis le vaisseau malade a éclaté dans sa tête et elle a fait une mort cérébrale. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Elle est partie en réanimation, bien sûr, et elle a été maintenue en vie par les moyens de réanimation jusqu'à la maturité du bébé, jusqu'à 9 mois. Ensuite, on a décidé de faire une césarienne sur une mère morte, entre guillemets, parce que la limite, tout à l'heure, je vous ai dit, on ne sait pas si elle est morte ou pas, c'est pas encore clair pour la science, toujours morte, entre guillemets, elle a donné naissance à un bébé vivant. Et c'est le bébé que vous voyez là. La maman est morte. Alors, quelques questions pour vous mettre dans le bain et qu'on pourra aborder tout à l'heure lors du débat. Fallait-il euthanasier la mère dès le constat de la mort cérébrale pour abroger ses souffrances? Tout à l'heure, on a dit que le but de l'euthanasie, c'était abréger les souffrances du patient. Donc, si c'est le cas, on aurait pu faire ça pour arrêter les souffrances de la maman. Si on a fait ça, avons-nous le droit de tuer le bébé pour euthanasier la maman? Au fait, quelle est la différence entre tuer et euthanasier? Je vous laisse réfléchir et vous allez poser des questions pour le débat. Je laisse tout ça pour le débat.
Nous allons parler du don d'organes. Vous regardez cette image que j'ai beaucoup aimée. Alors la personne qui est dans la tombe, c'est une personne qui a donné ses organes à ces trois autres qui viennent la visiter pour la remercier. Le premier a reçu les reins, le deuxième a reçu le cœur et le dernier a reçu les poumons. Pourquoi parler du don d'organes? Nous sommes tous donneurs, nous sommes tous concernés parce que nous sommes tous des donneurs potentiels. Mais surtout, nous sommes tous des receveurs potentiels. En fait, il y a quatre fois plus de risques d'avoir un jour besoin d'un organe que d'en donner. Que dit la loi? Toute personne présumée consentante au don d'organes, au don de ses organes, toute personne est présumée consentante au don d'organes, au don de ses organes après la mort, sauf si elle a manifesté son opposition de son vivant. C'est-à-dire que les gens qui sont vivants, s'ils ne veulent pas donner leurs organes, ils doivent manifester et écrire ceci. Si, au moment d'un accident, et qu'on veut leur enlever des organes, on cherche s'ils ont manifesté ou pas. Si on ne trouve pas qu'ils ont manifesté leur opposition de leur vivant, ils sont donneurs. Alors, position des confessions religieuses, toutes les religions monothéistes s'accordent à la chose suivante, la vie humaine est primordiale, ce qui la sauve, pas d'opposition de principe. Alors ça, c'est une idée sur l'activité internationale des prélèvements d'organes. Les premiers en prélèvement d'organes, c'est les Espagnols, les deuxièmes, c'est les Belges, et les troisièmes, c'est les Américains. Donc, les premiers, c'est les Espagnols. L'attribution des organes, il y a des priorités. Les plus jeunes sont prioritaires. Et puis, les malades, les receveurs qui sont menacés à court terme. Ils ont des maladies qui les menacent à court terme, ils sont prioritaires. En l'absence de priorité, selon l'échelon géographique, le plus proche pour préserver le greffon. L'origine des organes, 95% des organes proviennent d'une mort cérébrale. Et les 5%, c'est des donneurs vivants. Le donneur vivant. Le contexte est différent parce que c'est des interventions programmées. Les malades, le donneur et le receveur le savent et on programme les interventions. Deuxième chose, quel prélèvement on fait? On fait la plus grande partie des prélèvements, c'est le rein. Mais on peut prélever un lobe hépatique, un lobe pulmonaire ou de la moelle osseuse. La réglementation stricte doit être stricte. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes éthiques. Il y a des risques pour le donneur. Et puis il y a les risques de commercialisation qui se passent d'ailleurs. Et le trafic d'organes. Et ça, ça existe, c'est malheureux. C'est la cupidité humaine. Alors l'avenir du don d'organes et de la greffe d'organes, c'est la médecine régénérative qui est en plein élan. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une synthèse de tissu humain à partir d'une imprimante 3D et on utilise les cellules souches. L'espoir pour remédier au manque d'organes est la médecine régénérative. Si on arrive à prendre des cellules humaines et à partir de cellules, on les cultive pour avoir un organe, un cœur ou un rein. Donc on va avoir des organes de façon suffisante parce que maintenant on n'a pas d'organes, les gens attendent. Et deuxièmement, il n'y aura pas de rejet puisque c'est les cellules du malade qu'on va cultiver. Donc c'est l'avenir pour le don d'organes. Alors maintenant, on passe à l'aspect humain de la mort. Je vous ai dit tout à l'heure que l'aspect scientifique a des limites et nous avons vu les ambiguïtés de l'aspect scientifique de la mort, toujours mort entre guillemets, parce que on ne sait pas exactement quand est-ce que les limites ne sont pas franches et il y a du flou. Alors l'aspect scientifique de la mort, on a dit que c'est un aspect concret, matériel, quantitatif. L'aspect humain de la mort est abstrait, c'est l'inverse. Il est immatériel, il est qualitatif. C'est très important. Une grande différence entre la science et l'humain. De toute façon, il y a les sciences humaines et les sciences exactes. Alors, je vais vous expliquer, de toute façon, vous devez le savoir. Pendant la vie, la grandeur d'une personne humaine, c'est quoi? Elle n'est pas liée à son matériel. C'est pas le poids qui fait la personne. C'est pas la fortune qui fait la personne. C'est pas la taille qui fait la personne. Mais la grandeur d'une personne, c'est la grandeur de ses qualités humaines. Générosité, clémence, indulgence, c'est la grandeur. Donc la dimension importante à tout un chacun, ce n'est pas son poids, ce n'est pas
Hein, ce n'est pas sa fortune. Vous allez trouver des gens pauvres, mais très acceptés. Et vous allez trouver des gens riches qu'on n'aime pas du tout. Donc la grandeur, c'est quoi? C'est les qualités humaines. Et c'est ces qualités humaines qui disparaissent avec la mort. Il n'y a pas que le corps qui meurt, mais vous gardez tous certainement des souvenirs des gens qui sont proches et que vous aimez, et vous gardez surtout leur générosité, leur humour, leur relation. C'est le souvenir le plus important, et non pas son corps et son poids et sa taille. Pour nous, au milieu hospitalier, le côté relationnel prend toute son ampleur lorsque le patient peut encore parler. On établit des amitiés, de l'affection et de la tendresse entre le personnel médical et le patient. Pour ceux qui ne peuvent plus parler, c'est l'expression du regard, de la mimique et les larmes qui sont plus importantes. Et même, ces expressions sont plus explicites que la parole elle-même. Des fois, vous avez des sentiments que vous avez envie de transmettre et même la parole n'arrive pas à faire sortir ce que vous ressentez, et c'est les larmes qui parlent à la place, parce que vous ne trouvez pas mieux comme expression que les larmes. Donc l'aspect humain est beaucoup plus important que l'aspect matériel. Je peux vous citer rapidement un AVC ischémique, c'est un vaisseau qui s'est bouché dans le cerveau, le vaisseau du cerveau, et la récupération du malade s'est faite 2 semaines plus tard, et il n'a pas pu bouger, il ne pouvait plus parler, mais il comprenait, et il regardait la famille, et quand on lui parlait, c'est les larmes, il répondait par des larmes, et on comprenait ce qu'il voulait dire et le malheur qu'il vivait. Donc la mimique, le regard. Quand vous regardez quelqu'un, vous pouvez dire, même s'il ne parle pas, s'il est heureux ou il n'est pas heureux, s'il est content ou malheureux, s'il a des soucis ou pas. Le regard est beaucoup plus explicite que la parole. La mimique aussi. Deuxième chose sur le plan humain, c'est qu'il y a un paradoxe que j'ai vu en réanimation entre les malades qui arrivent en réanimation parce qu'ils veulent vivre à tout prix. Mais il y a d'autres qui arrivent en réanimation parce qu'ils veulent mourir à tout prix. Et c'est les tentatives de suicide qui, malheureusement, sont devenues très, très fréquentes. Pourquoi? C'est parce que l'humain et l'aspect humain a été négligé chez l'homme. Tout est combien? Et voilà le malheur. À la fin de la vie, certains patients sont calmes, sereins, presque heureux dans leur malheur. J'ai vu des gens proches de l'agonie qui étaient sereins, très calmes, rayonnants. On dirait qu'ils sont heureux alors que c'est un malheur, la mort. Et d'autres personnes proches de l'agonie sont angoissées, agitées, donnant l'impression de vouloir fuir quelque chose. Je n'ai pas compris cet aspect humain et toutes mes connaissances scientifiques ne m'ont pas aidé à comprendre l'aspect humain. Alors, j'ai eu besoin de rechercher ailleurs. Alors, j'ai vu l'aspect métaphysique de la mort et j'ai vu l'aspect religieux. Et d'ailleurs, c'est tout ce qui reste. On va dire un mot sur l'aspect métaphysique, rapidement. Valorisation d'une thèse par son antithèse. Qui connaît la valeur de la santé? C'est le malade. L'eau n'a de valeur que par l'existence de la soif. S'il n'y avait pas la soif, l'eau n'aurait aucune importance. Le jour n'a de sens que par l'existence de la nuit. Si on ne vivait que dans le jour, on ne saura pas ce que c'est que la nuit. Et donc on ne parle même pas du jour ou nuit. Ça n'existerait pas. Donc, la valorisation de la thèse se fait par son antithèse. Et donc, par ce raisonnement, la vie dans ce bas monde ne peut avoir de sens que par l'existence d'une autre vie dans un autre monde. Autrement, manger, dormir, se reproduire et puis partir devient bestial. C'est les animaux qui font ça. Les animaux mangent, ils dorment, ils se reproduisent et puis ils partent. Sommes-nous comme ça? Non, pour certains. Sinon, d'autres, ils sont comme ça. Alors, on parlera maintenant de l'aspect religieux. Et là, vous allez voir que l'aspect religieux vient honorer la science. Je dis honorer la science. Nous allons récapituler ce que nous avons dit. Tout à l'heure, en conclusion sur l'aspect scientifique de la mort, nous avons dit qu'une définition de la mort qui soit scientifiquement précise et robuste est probablement impossible à atteindre. Pourquoi?
Eh bien, parce que la mort a également un aspect humain et religieux qu'il faut prendre en considération. Alors, les gens qui veulent être purement scientifiques n'accéderont jamais à la vérité. Parce que je vous ai démontré la limite de la science en mesurant la tension artérielle et la fréquence cardiaque pendant l'agonie et en mesurant ça pendant l'intervention chirurgicale. C'est une autre dimension que vous allez voir. Donc l'objet de ma recherche, c'est quoi? Eh bien, c'est la question suivante. Y aurait-il des liens entre mes connaissances scientifiques, mes 25 ans d'expérience sur le terrain et l'apport du Coran et des hadiths? L'aspect religieux de la mort se caractérise par l'abondance des informations coraniques sur la mort. Et ceux qui ont lu le Coran le savent. Alors j'ai essayé de commencer par voir la relation, et est-ce qu'il y a une relation entre le Coran et la science? Et oui, il y a une très grande relation, très étroite. Le trait commun entre la science et le Coran, c'est l'incitation à la réflexion, à la méditation, au raisonnement, donc à la compréhension, et au savoir et à la sagesse. C'est très important, ça demande beaucoup de concentration. Donc le trait commun, je répète, entre le Coran et la science, c'est l'incitation à la réflexion, à la méditation, au raisonnement et à la compréhension, au savoir et à la sagesse. Donc la science et le Coran, pour ça, ils sont pareils. Je vais vous donner la preuve que le Coran incite à ceci. Le mot réflexion a été répété 18 fois dans le Coran. En arabe, on appelle ça tafakkur. La méditation a été répétée 4 fois. Ça s'appelle tadabbur. Le savoir, tafakkur, a été répété 20 fois. La compréhension et la maîtrise a été répétée 48 fois. Ta'akkul. Retenir et se souvenir 70 fois, c'est-à-dire l'importance de tadakkur. Parce que si on ne se souvient pas de ce qu'on a appris, ça ne sert à rien. Ulul albab, ulul nuha, qu'on appelle en français les gens judicieux et intelligents, 16 plus 2, 18 fois dans le Coran. Ça, c'est la preuve que le Coran incite à la recherche, incite à la réflexion, à la méditation, au savoir. Je vais vous citer deux exemples pour illustrer l'incitation à la recherche dans le Coran. J'ai cité deux exemples, ça ne veut pas dire qu'il y a deux. Parce que si je commence à citer tout, je vais avoir besoin de 4 heures d'exposé. Alors, Sourate Al-Ankabout, aya 43. L'araignée, verset 43. « وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ » Telles sont les paraboles que nous citons aux gens. Seuls les savants les comprennent. Surat Al-Imran. Surat Al-Imran, verset 190. Inna fi khalqi as-samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-layli wan-nahari la-ayatin li-ulil al-bab. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. Je traduis. Donc les gens doués d'intelligence, la suite, qui debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant: Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi. Quand les gens qui méditent et qui réfléchissent regardent le ciel, ils se disent pas, ouais, il est bleu, il est très joli. C'est bien d'être poète, mais il faut être réaliste aussi. C'est très difficile à construire. Alors, quelle est la relation entre réflexion, méditation, compréhension, sagesse? J'ai essayé de réunir tout ça dans un petit texte. La réflexion et la méditation aboutissent à la compréhension et au savoir. At-tafakkur ma'a at-tadabbur yu'addiyan ila at-tafaqquh wa at-ta'qul wa an-natija hiya al-intifa' bit-tadhakkur. Donc la réflexion et la méditation aboutissent à la compréhension et au savoir. Retenir le savoir cumulé
et s'en souvenir est très important pour l'application. Le contraire du souvenir est l'oubli. L'oubli peut être bénéfique. Oublier ses malheurs, c'est bien. Heureusement qu'il y a l'oubli. Sinon, on serait tous malheureux et de façon continue. Heureusement que le bon Dieu a créé l'oubli. Ça nous permet d'oublier les malheurs. Mais l'oubli peut être aussi maléfique, qu'on appelle négligence, insouciance et indifférence. C'est un oubli prémédité. On appelle ça en arabe « al-rafla ». L'insouciance est citée, « al-rafla » est citée dans surat l'Anbiya. « Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi raflatin mu'aridun » L'échéance du règlement de leur compte, c'est-à-dire la mort. L'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Aucun rappel de révélation récente ne leur vient de leur Seigneur sans qu'ils ne l'entendent en s'amusant, leur cœur distrait. Ma yatihim min dhikrin min rabbihim wahdatin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum. J'espère que votre cœur est avec moi maintenant. En méditant sur le Coran, nous trouvons deux types d'informations. Là, nous rentrons dans un raisonnement logique que les mathématiciens connaissent bien. Et ça, je vous demanderai d'être très attentif parce que c'est un raisonnement qui nécessite beaucoup d'attention. Alors, nous avons dit que le Coran amène deux types d'informations. Il y a des informations qui sont scientifiquement vérifiables, donc qui incitent à la recherche. C'est l'objet des conférences que vous avez entendues. Chacun parle des signes scientifiques d'après les recherches dans le Coran. Ça, c'est des informations que nous pouvons vérifier par la science. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. On n'a pas le temps, mais vous pouvez voir les interventions de pas mal de personnes, qu'ils soient arabes, musulmans, ou même dans d'autres pays et dans différentes disciplines. Ça s'appelle, on parle d'informations scientifiquement vérifiables. Il y a le deuxième genre d'informations, c'est les informations scientifiquement non vérifiables. La science ne pourra pas vérifier. C'est bien. C'est comme la résurrection, etc. Alors, est-ce que ces informations scientifiquement non vérifiables sont accessibles? Eh bien, oui. Par quoi? Par l'intelligence. C'est pour ça que il y a tout à l'heure, pour les gens doués d'intelligence. Donc, nous allons utiliser le raisonnement. Les mathématiques, n'est-ce pas, des sciences exactes? C'est un raisonnement mathématique que nous allons utiliser. Le chapitre logique. Il y a un chapitre que les enseignants de mathématiques connaissent, la logique. Donc ces informations qu'on ne peut pas vérifier par la science sont accessibles par le raisonnement suivant. Premièrement, si toutes les découvertes scientifiques récentes comparées aux informations coraniques vérifiables sont vraies, et si aucune contradiction n'a pu être décelée depuis plus de 14 siècles, différentes disciplines confondues, alors les informations non vérifiables du Coran ne peuvent être que vraies. Vous allez méditer chez vous ce raisonnement et bien réfléchir parce qu'il faut du temps et il faut s'approfondir. Mais je vais essayer d'expliquer ceci par le Coran. Exemple numéro 1, sourate Nisa, les femmes, verset 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an wa law kana min 'indi ghayri Allah la wajadu fi ikhtilafan katira. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Toujours la méditation. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient, certes, maintes contradictions. S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient, certes, maintes contradictions. Ce défi reste toujours valable. Les gens qui ne sont pas musulmans et qui sont scientifiques n'ont qu'à relire le Coran, le traduire, et d'ailleurs il est traduit en anglais, en arabe, en français, il y a plein d'informations scientifiquement vérifiables. Alors si, est-ce que vous avez entendu quelqu'un de différentes disciplines scientifiques connues dire un jour, ah tiens, il y a une contradiction dans le Coran. Je serais heureux d'en voir une, parce que je les cherche, je n'en ai pas trouvé.
Deuxième exemple, sourate Al-Mu'minun, verset 12. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Puis, nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide, l'utérus. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Deuxième information. Troisième information. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُدْغَةً. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Cinquième information. فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِظَامًا. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os. Sixième information. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre créature. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Et puis après cela, vous mourrez. Neuvième information en rouge, information scientifiquement non vérifiable. Et puis, au jour de la résurrection, vous serez ressuscité. Huit informations sont scientifiquement vérifiées par l'embryologie moderne. Comment il s'appelle le professeur d'embryologie qui a écrit ? Kate Moore. Est-ce que tu pourras donner aux gens l'intervention de Kate Moore, c'est un spécialiste en embryologie. Il est de quel pays ? C'est un Américain qui enseigne au Canada. Il a parlé sur les huit étapes. Il a même décrit très bien le sujet. C'est pour moi, dans le raisonnement, ces huit informations sont confirmées par Kate Moore, qui est un des plus grands chercheurs d'embryologie moderne. Si les huit informations scientifiquement vérifiables du Coran sont vraies, la neuvième ne peut être que vraie, la résurrection. Troisième exemple, sourate Al-Waqi'a, verset 58. نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتِ. Nous avons prédéterminé la mort parmi vous. Personne ne peut dire le contraire. Quelqu'un peut me dire qu'il ne veut pas mourir ? وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. لَا تَعْلَمُونَ. Nous ne serons point empêchés de vous remplacer par vos semblables et vous faire renaître dans un état que vous ne savez pas. La mort et après la mort, vous ne savez pas. Vous avez connu la première création. Ne vous rappelez-vous donc pas ? C'est une question que nous pose le bon Dieu. Vous avez connu la première création. C'est ce qu'a écrit Kate Moore. La première création de l'embryologie détaillée. Et je vous invite à regarder. Et le président pourra vous donner, et les gens doivent se donner entre eux la recherche de Kate Moore. Et vous allez voir que ce que dit le bon Dieu est exact. Vous avez connu. Il nous a appris la première création et il nous demande, ne vous rappelez-vous donc pas ? Réfléchissez. Je schématise ici. Ce qui est en rouge, c'est ce qu'a dit le bon Dieu, ce que vous ne savez pas. La mort en rouge est après la mort. Juste au moment de la mort et après la mort, la science ne peut pas accéder. Et je vous ai montré tout à l'heure la limite de la science. Par contre, vous pouvez vérifier ce qui est bleu. La vie et même la naissance et avant la naissance. Est-ce que vous savez qu'on peut opérer maintenant un enfant dans le ventre de sa mère ? On fait l'écomorphologie et on détermine les maladies avant la naissance. Le bon Dieu nous a montré, et les recherches sont très évoluées concernant la première création. Donc, vous avez connu la première création. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut réfléchir. Si tout est vrai, et le Coran nous a appris énormément de choses scientifiquement vérifiables, regardez l'intervention de Kate Moore entre autres, et nous allons comprendre que ce que le Coran va nous apprendre sur la mort et après la mort ne pourra être que vrai. Ce qui est bleu est scientifiquement vérifiable et même vérifié. Et nous sommes en train de chercher encore des choses qu'on ignore. Et vous allez voir. سَنُورِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ. Alors durant mes 25 ans d'expérience en réanimation, j'ai vu des agonies calme et paisible, et d'autres agités, pleines d'angoisse et d'agressivité. La science ne m'a pas appris ça, j'ai commencé à rechercher, et le jour où j'ai lu le Coran, j'ai compris
ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, je l'ai compris. Je vais vous donner quelques témoignages et un des cas que je n'oublierai jamais et que je répète devant tout le monde parce que je suis responsable, je vous transmets ce que j'ai vu. Je ne garde pas ce que j'ai vu pour moi-même, mais je le partage avec mes semblables. Ce cas clinique, je l'ai déjà dit lors d'une conférence précédente, mais je vais vous le répéter parce que je ne l'oublierai jamais. Un vieil homme de 85 ans arrive en réanimation pour détresse respiratoire aiguë. Il respirait très mal. Sa respiration était bruyante et pénible. L'homme était chétif, prostré par l'insuffisance respiratoire, mais son visage était rayonnant. Au milieu de sa barbe blanche, alors qu'il devait être gris par le manque d'oxygène, je vois toujours son visage qui était chétif, une petite barbe blanche, et il devait être, parce qu'il était en manque d'oxygène, d'ailleurs je devais lui faire une respiration artificielle, il devait être gris comme tout le monde, mais il était très rose et rayonnant, mieux que rose. Il était rayonnant, il faut le voir, mais je vous transmets ce que je sais. Alors le vieil homme était assis sur son lit devant moi. Et son regard était très attentif. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure l'expression par le regard. Ça dépasse l'expression par la parole. Je regardais le monsieur, il ne me regardait même pas. Il ne regardait même pas les blouses blanches qui étaient à côté. Il suivait une scène qui était à côté de lui avec beaucoup d'intérêt. Alors vous imaginez quelqu'un à qui vous parlez et qui suit une autre scène. Vous lui dites, hey, vous êtes avec moi ou pas ? Ben c'est ce qui s'est passé avec ce monsieur. Il n'a pas eu peur des blouses blanches, ni du matériel que je préparais, ni de ce qui lui arrivait comme malheur, ni de sa détresse respiratoire. Il suivait avec beaucoup d'intérêt quelque chose, une scène, qui était devant lui. Et moi, je vous ai dit, comme il respirait mal, je devais lui faire une respiration artificielle et le brancher sur le respirateur. Donc je devais l'allonger pour le faire. Et à chaque fois que j'essayais de l'allonger, je me mettais en face de lui. Et lorsque je me mettais en face de lui, il regardait à ma droite et à ma gauche. C'est comme s'il voulait me dire, écoute, enlève-toi, tu ne me laisses pas voir ce que je veux voir. Et moi, je regarde derrière parce que je me dis, qu'est-ce que je peux ? Il y a peut-être une lumière ou quelque chose qui reflète la lumière ou quelque chose qui attire son attention. Je vais voir ce qu'il y a. Je regarde derrière moi. En réanimation, il n'y a rien. C'est un box vide. Il n'y a même pas de lumière. Et ça me laissait perplexe. Je me rapproche de lui, je veux l'allonger, il s'accroche avec ses petites mains sur les barres en métal du lit et il s'accroche avec la petite force qui le reste et ne me laisse pas le descendre. J'étais très doux avec lui, je l'ai laissé encore regarder et je suis perplexe, qu'est-ce que je vais faire ? Mais il m'intéressait, son visage était gai, il était agréable. Imaginez-vous, il est en train de mourir, mais il était agréable. Il était, il inspirait confiance. Il était heureux. Et donc, je le poussais un petit peu pour, et même les infirmiers avec moi, je leur disais doucement. Il voulait le descendre pour qu'il s'allonge, pour lui faire intuber et le mettre à la respiration artificielle. Et il s'accrochait avec le peu de force qui lui restait. Il s'accrochait aux barres métalliques du lit. Laissez-moi encore un petit peu. Je le laisse encore un petit peu et il respire difficilement. Et il, et il regarde, et il suit à droite et à gauche. Il me dit, enlève-toi, laisse-moi regarder. Cette scène a duré quelques minutes, et puis à un moment, je l'ai poussé pour descendre, il s'est laissé faire. Il ne s'est plus accroché aux barres métalliques, il est descendu, et puis il est parti. Donc cette chose qu'il suivait des yeux, très sérieusement, me laissait perplexe. Alors cette scène n'a pas duré longtemps, puis le vieil homme, le visage toujours rayonnant, j'allais dire heureux dans son malheur, s'est allongé de lui-même et sans contrainte ni résistance, ce fut la dernière fois qu'il s'allonge. Autant je comprenais les raisons scientifiques de son décès, insuffisance respiratoire chronique décompensée, autant j'ignorais la signification de la scène humaine décrite plus haut. Le Coran et le Hadith m'ont tout expliqué.
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. Tu restais indifférent à cela. Eh bien, nous ôtons ton voile. Ta vue est perçante aujourd'hui. Donc le vieillard avait une vue perçante. Le voile a été ôté. Et il voyait des choses par un regard perçant qui n'est pas le regard que vous avez et que j'ai maintenant. L'événement, Sourate Al-Waqi'a, verset 87. أَفَبِهَادَ الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge? Est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge? Est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge? Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge d'un moribond, lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge d'un moribond, et qu'à ce moment-là, vous regardez, moi je regardais ce monsieur, je le regardais, et que nous sommes plus proches de lui que vous, mais vous ne le voyez point. Je regardais, mais je ne voyais pas. Et que nous sommes plus proches de lui que vous, mais vous ne le voyez point. Si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, pourquoi donc ne la faites-vous pas revenir? Lorsque quelqu'un qui vous est très cher est en train de mourir devant vous, si on avait les moyens, on l'aurait arrêté. Mais non, on n'a pas les moyens. Et puis le hadith qui a montré la suite et qui a bien expliqué les choses, c'est le suivant. Lorsque le musulman s'apprête à franchir la barrière vers l'autre monde, l'ange de la mort arrive et se met devant lui, et se met devant sa tête. D'autres anges arrivent également. Leur visage rayonnant, comme le soleil, apportent avec eux un tissu et un parfum du paradis et se mettent en face de la personne qui va mourir. Donc ce qu'ils regardaient, c'était des anges avec des visages rayonnants, impressionnants. C'est pour ça qu'il était impressionné et perplexe. Mais il était heureux de les voir. D'autres anges arrivent également, leur visage rayonnant comme le soleil, apportent avec eux un tissu et un parfum du paradis et se mettent en face à la limite de sa vue. Il a maldi basare. L'ange de la mort dit, âme pleine de quiétude, sors de ton corps vers la clémence et la satisfaction de son Seigneur. L'âme quitte le corps comme une goutte qui coule d'une bouteille. Donc ces descriptions par le Coran et par le Hadith, lorsque je les ai appris, c'était des années après cette expérience. Et j'ai tout de suite eu l'image de ce vieil homme et j'ai compris toute la situation et tout ce qui se passait et que je n'avais pas compris, que j'ai gardé en mémoire sans avoir de réponse. Donc le Coran illumine le savoir. Le savoir sans le Coran, c'est comme la bombe atomique. C'est comme l'énergie atomique et la bombe atomique. Si vous avez la moralité, vous allez utiliser l'énergie atomique pour faire marcher des choses utiles. Et si vous n'avez pas de moralité, vous allez utiliser l'énergie atomique comme les bombes de Hiroshima et de Nagasaki. Un homme de 60 ans est opéré du cancer de pancréas. En post-opératoire, il fait un arrêt cardiaque en asystolie. Quelques manœuvres de réanimation ont permis au cœur de reprendre. 10 minutes plus tard, il refait un arrêt cardiaque, cette fois-ci par fibrillation ventriculaire. L'électrochoc à 250 joules a permis de reprendre une activité cardiaque normale. L'électrochoc, vous savez ce que c'est le choc électrique. Quelque temps plus tard, il refait un troisième arrêt cardiaque par fibrillation ventriculaire. L'électrochoc à 250 joules est inefficace. On augmente l'intensité à 300 joules et on refait un électrochoc sans succès. On augmente à 350 joules comme dernière tentative. Tout le staff s'accorde pour arrêter l'acharnement thérapeutique. Et pourtant, un infirmier suggéra timidement qu'on ne perdait rien à refaire
une ultime tentative. Il m'a dit, essayez docteur, on n'a rien à perdre, essayez s'il vous plaît de refaire. Pour moi, scientifiquement, c'était clair. Donc, je me suis dit, oui, on n'a rien à perdre, on va essayer. La dernière fois, bon, on va essayer. Et bien, le malade a récupéré son rythme cardiaque, contrairement à la science. Il a récupéré et même il a survécu. Et j'ai rencontré son fils des mois plus tard. Et il m'a dit qu'il partait à la mosquée faire ses prières. Le Coran, Sourate Al-Imran, 145. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Il n'y avait pas de permission. Même si moi, j'ai décidé d'arrêter, quelqu'un plus bas de l'échelle m'a dit, essayez quand même. Qui l'a fait parler? Je ne sais pas comment il a parlé. D'habitude, il ne parle pas. Et quand même, je l'ai écouté. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah. Et au moment prédéterminé. C'est-à-dire, il y a même des accidents très graves où la personne ne meurt pas. Il y a un petit accident de rien du tout, la personne meurt. Donc, ce n'est pas corrélé à l'intelligence humaine ni à la logique. Il arrive des choses, des situations très graves où le malade s'en sort et pour dire rien, moins que rien, le malade meurt. Il y a même des gens qui sont en parfaite santé et qui meurent et d'autres malades qui vivent longtemps. Il n'y a pas de logique. Quiconque veut la récompense d'ici-bas, nous lui en donnons. Quiconque veut la récompense de l'au-delà, nous lui en donnons et nous récompenserons bientôt les reconnaissants. La science ne va pas expliquer pourquoi certaines agonies se passent dans l'agitation. Maintenant, c'est l'inverse. L'agressivité. Il y a même ceux qui nous ont mordu le doigt pour les intuber. L'angoisse, l'agressivité, l'agitation, donnant l'impression de vouloir fuir quelque chose. J'ai trouvé l'explication dans le Coran, Sourate Al-An'am, verset 93, et Sourate Al-Anfal, verset 50. Sourate Al-An'am. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort et que les anges tendront les mains, disons, laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. Sourate Al-Anfal, verset 50. Si tu voyais lorsque les anges arrachaient les âmes aux mécréants, ils les frappaient sur le visage et leur derrière en disant, goûter au châtiment du feu. Donc, il y a des choses, comme je disais tout à l'heure, la douleur de la mort n'est pas objective. Nous avons jamais, nous, lorsqu'on enregistre la douleur, pendant l'agonie, on trouve l'inverse de la douleur. On a l'impression qu'il ne souffre pas. Et malgré ça, pour calmer les familles, s'il vous plaît, on ne veut pas qu'il souffre. S'il ne s'agit que de votre vouloir, il n'y a pas de problème. Mais c'est beaucoup plus fort. Les médecins donnent du morphinique. Oui, on a donné des antalgiques, des morphiniques, ne vous inquiétez pas, il a pas mal. Il ne s'agit pas d'une douleur physique. C'est un monde, c'est comme l'aspect humain de la mort. C'est comme les larmes. Les larmes, c'est l'expression le plus fort de la tristesse. Même les paroles, lorsque les paroles deviennent impuissantes, on pleure. Lorsqu'on a envie de s'exprimer de façon sincère, on pleure. Lorsqu'on a un malheur et on est très touché, on ne parle pas, on pleure. Mais on n'a même pas envie de parler. Donc la parole est limitée, mais la grandeur humaine est très très grande. C'est pour ça que c'est comme cela qu'on pourra comprendre la mort dans un aspect global, physique. D'ailleurs, l'OMS, vous savez que l'OMS, comment elle détermine la santé? La santé est un état de bien-être physique, moral et social. Voilà la définition de la santé. Ce n'est pas celui qui est fou ou celui qui n'a pas de travail socialement, il n'est pas bien, il est malade. Donc c'est une réflexion en globalité et non pas la science, parce que la science sans morale, c'est les bombes atomiques. Alors, je vais vous donner d'autres exemples qui sont des défis à la science. Le sommeil physiologique, c'est-à-dire le sommeil quand vous dormez, et l'anesthésie générale.
Alors pendant le sommeil physiologique, vous savez très bien que lorsque vous dormez, vous pouvez parler, vous pouvez rire. Il y a des gens qui s'éclatent de rire. Ils rient de façon vraiment avec leur cœur. Il y a des gens qui ont des sensations d'étouffement. Ils ont des souffrances. Et il y a des gens qui ont l'impression de tomber du lit. Alors qui est plus fort? L'immatériel ou le matériel? Le corps ou l'esprit? Ce qui est spirituel commande le matériel. Et la preuve, c'est que pendant le sommeil, ce qui est spirituel, vous êtes dans un autre monde et vous rigolez, vous avez l'impression de... Et le matériel obéit à vos visions, à ce qui n'est pas matériel. Donc la force et la grandeur et la puissance, ce n'est pas ce que vous voyez. C'est ce que dit le Coran. On ne voit bien jamais, on ne voit jamais bien qu'avec son cœur. L'essentiel échappe à la vision. Ça, c'est un défi. Le sommeil, c'est un défi. Et le Coran a montré ce que c'est que le sommeil. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il reçoit les deux âmes, pendant le sommeil et pendant la mort. La seule différence, c'est quoi? Il retient celles qu'il a décrétées, celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'au terme. Jusqu'à un terme fixé. Donc la différence, c'est que lorsque vous dormez ou lorsque vous mourrez, c'est le Seigneur qui prend l'âme. Le matin, il la rend à ceux qui ne sont pas encore arrivés à terme de la mort. Et les autres, ceux qui sont arrivés à terme, il la prend, il ne la rend plus. Alors, l'anesthésie générale, c'est encore... J'ai pas mal d'années d'expérience. Et je peux vous dire que les gens, quand je leur donne de l'anesthésie, ils se réveillent. Ils se réveillent après 2 heures, 3 heures, ça dépend de l'intervention, 6 heures. En réanimation, on peut endormir des gens 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et quand ils se réveillent, je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient. Et que lorsque je leur pose la question, où est-ce que vous étiez, ils ne savent pas. Personne ne sait. Il y a un corps qui est le mien et un corps qui est celui qui est anesthésié. Et quand on se rencontre, je lui dis, où est-ce que vous étiez? Il me dit, je ne sais pas. Vous allez me le dire, vous, docteur. Je leur dis, moi aussi, je ne sais pas. Donc, on ne sait pas. Le malade, il est là, son corps est là, où est-ce qu'il est? Il ne sait pas. Deuxièmement, il y a une distorsion du temps et du temps. Lorsqu'ils se réveillent, ceux qui sont en réanimation et qui ont dormi pendant 14 jours ou un mois ou 3 mois, lorsqu'ils se réveillent, ils ont l'impression que le temps s'est arrêté. Donc, il y a une distorsion du temps et de l'espace. Alors pour conclure, comment accéder à la foi? Par le raisonnement logique. On accède à la foi par le raisonnement logique, liant les informations scientifiquement vérifiables du Coran et les informations scientifiquement non vérifiables. Il ne faut pas être moumine, c'est-à-dire il ne faut pas avoir la foi par héritage. Ce n'est pas parce que mon père est musulman que moi je suis musulman. Moi je veux être musulman et savoir pourquoi je suis musulman, c'est ça l'intérêt. Et même, je vous cite deux prophètes qui ont posé la question au bon Dieu, c'est Moïse et Abraham. Abraham a voulu voir le bon Dieu et le bon Dieu lui a dit, est-ce que tu ne crois pas? Et Moïse a voulu voir le bon Dieu et il lui a dit, regarde, la montagne, si elle résiste devant mon énergie, tu vas pouvoir me voir. Et lorsque le bon Dieu est apparu à la montagne est devenue cendre, comme une poussière. Et Moïse est tombé. Il a perdu connaissance. Lorsqu'il s'est réveillé, il a compris que si nous ne voyons pas le bon Dieu, c'est parce qu'il nous aime. Parce qu'avec l'énergie qu'il a, rien ne lui résiste. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il ne veut pas nous. Nous le verrons, mais avec une autre énergie. Donc, première chose pour accéder à la foi, il faut être scientifique, il faut être rationnel, il faut rechercher, il faut comprendre, il faut méditer, il faut réfléchir. On n'accède pas à la foi par transmission génétique. Deuxièmement, comment garder la foi? Maintenant, on a la foi, il faut la garder. Il y a plein de gens qui ont la foi, mais qui n'arrivent pas à la garder. Eh bien, par le contact permanent avec le Tout-Puissant et sa parole, le Coran. Et comment on fait pour garder ce contact permanent? Eh bien, le minimum, c'est la pratique des 5 prières par jour. 5 fois par jour, on fait le contact avec le bon Dieu et on récite le Coran. Et ça nous donne à réfléchir ces versets coraniques que je vous ai lus maintenant. Je peux les lire pendant la prière. Et donc, j'ai un contact permanent entre mon esprit et son créateur. Et je dépasse ce qui est matériel. Comme je vous ai dit tout à l'heure, manger, dormir,
hein, et se reproduire devient bestial. Puis partir, ça devient bestial. Donc il faut réfléchir. C'est même l'objet de cette conférence, c'est qu'on n'est pas musulman par hasard, on n'est pas musulman par la génétique, par transmission des parents. On doit être musulman par la réflexion, la méditation, le savoir, la compréhension et la sagesse. Et pour clore ce sujet, je vais vous dire, je vais parler d'un verset de Sourate Qaf. Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille tout en étant témoin. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun. Merci beaucoup.